Je vous rappelle que Umehara Daigo a son site internet. Hein. Vous tapez Beast Daigo sur internet et vous pouvez avoir accès au site internet d'Umehara Daigo où vous y trouverez en japonais bien sûr, mais une interface quand même très instinctive pour retrouver tous les matchs d'Umehara Daigo sur à peu près tous les versus fighting qu'il a touchés. Ces matchs de 2X, de Street Fighter 4, de Street Fighter 3, de Vampire Hunter et de CVS2, entre autres. Je vous invite donc à aller faire un tour sur ce site pour aller vous informer un peu. Hein, je vous dis, Umehara, elle est connue depuis l'âge de 11 ans et aujourd'hui, c'est très probablement le plus grand joueur de Versus Fighting qui n'ait jamais existé. Le plus grand talent que la Terre ait jamais connu, si tant est qu'elle en ait connu énormément. Il y en a des talents au Japon, mais bon, Daigo, c'est voilà, c'est l'antéchrist. Et l'antéchrist, justement, il est opposé à du très lourd encore, mais il n'y a que du lourd de toute façon face à Umehara Daigo. Pagnu, meilleur boxeur japonais avec Maeda Tyson qui va faire face à Umehara. Umehara pour le moment invaincu tout simplement. Hein, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Allez, le saut HK qui passe, enchaînement de la headbutt. Umehara approche du coin, prend Sten HK, HK dans la tête. Il recule. Qu'est-ce qu'il nous fait Umehara? Il se décale. Là-bas, MK qui est passé. Il se prend un petit dash, enchaînement de la headbutt. La chopper pour charger la barre de super. Il fait subir un sale quart d'heure quand même là. Pamiu avec le dash trait dans la garde. Allez, Pamiu qui joue vraiment très très bien. Il maintient une petite distance de sécurité. Le BMK Hadoken, ça passe dans la garde. C'est tranquille. Attention à ce qu'il fait. Ouais, le saving dash avant HK en pleine tech. Le crochet du gauche qui arrache la tête du Ryu d'Umehara. Il est en train de chercher désespérément les solutions là. Essayer de balayer là, avec des BMK. Voilà, il trouve la chop. Attention à la relever. Cross up MK, ça passe. Le champ cancel, mettre mes comptes. Comment Pamiu peut se prendre ça? C'est pas possible. 12 hits combo dans la tête. Allez, oui, bien joué Hadoken, cancel HK en prévision du saut au-dessus du Hadoken. Mais comment Daigo peut lire un truc pareil? C'est particulièrement bien joué. Premier round pour Daigo. Daishiro sur le saut, trop évident. BMK, Hadoken, il a sa barre de super. La Pamiu, il prend un saut light kick. Enchaînement light, il touche un tout petit peu trop haut pour confirmer ce saut light kick. Umehara, la balayette encaissée. Allez, il confirme pas son bas light kick là-dessus. Pamiu, attention à ça. Confirmer ses miti là-dessus, c'est évidemment l'ouverture, hein. Tu la trouves pas tant que ça. X-Dash 13, ça passe évidemment immédiatement après. Daigo envoie une série de Shakunex, l'X-Dash Low qui passe, enchaînement de light décalage chop. Allez, Daigo dans le coin, la Pamu qui va très probablement lui faire subir un sale quart d'heure. Alors, enchaînement de balai punch, bas HK et Daigo qui se décalade. Il avance et directement il met un bas medium kick. Et vous savez ce qui se passe, hein. Si Pamu envoie un X, quel qu'il soit, ça c'est très difficile à dire, mais il envoie n'importe quel dash X, immédiatement le BMK est confirmé par un Daishoryu et il se fait casser son X quoi. C'est pour ça que finalement il ne fait rien sur l'avancée d'Umehara, il préfère garder le BMK. Shoryu cancel dash avant, il s'est fait contrer par la chop de Pamiu qui en profite pour se rapprocher avec ce turnaround punch. Avec Pamiu qui a toujours sa super, hein, qui a toujours son ultra entièrement à la tête. Oh, le dash en vrai ultra, vous avez vu, il a failli sortir celui-là, il était pas loin du tout et le voilà, il est un peu loin. Oh, il est un peu loin Pamiu, qu'est-ce qu'il me fait? Oh, aïe aïe aïe. Totalement raté sa manip là. Totalement raté sa manip. J'espère que ça ne va pas lui faire perdre ce match. Il est proche du coin, Umehara. Il est très proche du coin. Dash trait. Shakunet, évidemment, on se rend le grattage hein, là, si vous voulez. On gratte. Le sauvage punch dans la garde. Dash trait, c'est évité par Umehara. Dash trait dans la garde. Dash trait, super concept de 1-0. Et Umehara qui va quand même l'emporter sur le fil. Exactement, au time over. Les dégâts de grattage n'auront pas été suffisant pour annihiler Umehara Daigo. Voilà, Umehara qui remporte donc son match face à Pamiu. Vous avez vu les boxeurs, comment ils les gèrent avec quasiment deux coups. Ils te gèrent n'importe quel boxeur japonais. C'est terrifiant, vraiment terrifiant.